pourrais commencer à lire la parole de Dieu, vous levez. Colossiens chapitre 1er, verset 15 à 23. Colossiens 1er chapitre 15 à 23. Le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trônes, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Car Dieu a voulu faire habiter toute plénitude en lui. Il a voulu par lui tout réconcilier avec lui-même dans ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Amen. Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconcilié par sa mort dans le corps de sa chair. Amen. Pour vous faire paraître devant lui saint, sans défaut et sans reproche. Amen. Si du moins vous demeurez fondé et inébranlable dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel, et dont moi, Paul, j'ai été fait ministre. Amen. Prions le Seigneur. Notre Père Céleste, nous venons lire ta parole. Nous abandonnons tes mains, que tu puisses nous parler pour notre transformation, pour notre édification, pour notre positionnement. Car c'est toi qui as donné ce message pour que nous puissions rentrer sur les trois chemins. Et le chemin, c'est toi, Jésus, de manière aujourd'hui éternellement. Bénis les livres qui vont parler, bénis les cœurs qui sont disposés à te recevoir. Amen. Car nous sommes disposés à être à ta disposition pour que nous soyons renouvelés, transformés de jour en jour, jusqu'à ce que nous puissions te ressembler. Amen. Encore une fois, c'est tout disant merci pour nous avoir permis de lire ces écritures. Et que tout soit pour ton nom et pour ta gloire. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Nous allons parler un petit peu sur Christ et le mystère de Dieu révélé. Avant toute chose, je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Vous faites combien de minutes? On n'a pas de minutes. Bonjour, collègues. Ok, donc Christ est le mystère de Dieu révélé. Nous allons voir, nous allons mettre un sous-bassement pour que dimanche nous puissions entrer en profondeur ce qui était dans la grande pensée de Dieu, ce qu'il voulait faire, ce qu'il a caché aux sages, aux intelligents. C'est vraiment difficile à comprendre si vous n'avez pas été dans la pensée de Dieu. C'est difficile de comprendre le mystère de Christ. Christ, avant toute chose, c'est dans la prédication, Christ est le mystère de Dieu révélé, où il parle du secret qui était dans sa pensée. Il a gardé cela secret tout au long de l'Ancien Testament. C'est pourquoi il a envoyé, je crois, on peut voir ça dimanche du volant, que ce secret, il l'a gardé avant que rien ne soit créé. Il connaissait, avant le fondement du monde, qu'est-ce qu'il va faire. Il voulait, d'abord lui, dans sa grande pensée, il avait trois dessins, trois projets. Il a gardé secret
jusqu'au temps du soir où nous avons Malachie 4 qui est venu révéler ce mystère. Amen. Et le premier dessin, lui, Dieu, je crois qu'on va le voir dimanche, c'est vraiment un mystère. Oui, il demeurait où? Il habitait où? Comment était-il avant qu'il ne crée rien? Et qu'est-ce qui s'est passé? Et qu'est-ce qu'il y avait? Qu'est-ce qu'il avait comme projet? Le premier projet qu'il avait, il voulait se révéler aux gens. Parce qu'il était trop mystérieux. Pour le voir, personne ne pouvait le voir. Il n'avait pas de forme. Il n'avait pas de forme. Amen. Mais c'était un grand esprit qui planait, qui remplissait l'espace. Donc son premier dessein était de se faire voir aux gens, que les gens puissent les toucher. Mais en tant que grand être surnaturel, c'était impossible de le voir, impossible de s'approcher à ses côtés, impossible de le toucher. Et dans sa préscience, il tenait à se faire exprimer complètement. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait cela en Christ. Christ, la première chose était que Dieu voulait se révéler lui-même aux gens. Mais il était esprit. Pour se faire voir aux gens, c'était impossible. Mais tellement que lui, il connaît toutes choses. Il est le maître des circonstances, le maître de sagesse, il connaît toutes choses. Alors, le prophète dit que là, il a tenu une conférence. Pendant qu'il faisait tout cela, il voyait déjà ses enfants qui étaient aux mains du diable dans le péché. Et comment il pouvait se manifester, comment il pouvait se faire voir, et il demandait conseil à personne. Il était là. Et tout ce qu'il faisait sortait de lui, provenait de lui, sans consulter personne. C'est pourquoi, dans son premier dessein, il a tenu qu'il puisse se faire voir à ses enfants qu'il a connus avant que rien ne soit créé. Donc Dieu exprimait en Jésus, en Jésus-Christ, qui était à la fois Père, Fils et Saint-Esprit. En cela, il a voulu que toute plénitude habitât en lui. Parce que son dessein qu'il avait, c'est de venir mourir sur la terre. Mais lui n'a pas de sang. Là, les anges n'ont pas de sang. C'est pourquoi il a décidé que pour sauver son fils et sa fille, il fallait qu'il devienne un homme. Comment devenir un homme? Ça, ce sont des mystères. Si vous n'avez pas été dans la pensée de Dieu, vous ne comprenez pas ces histoires. Amen. Parce que c'est réservé uniquement aux enfants de Dieu. Amen. Donc, il voulait s'exprimer en Jésus. Et le deuxième dessein qu'il avait, il voulait avoir la prééminence, c'est-à-dire, il voulait avoir toute l'autorité sur son Église. À part lui, il n'y a pas quelqu'un d'autre. Il voulait conduire son Église seul. Alors la prééminence dans son corps de croyant qui est son épouse, afin qu'il puisse vivre dans les gens. Amen. Vivre dans les gens, comment? C'est pourquoi, je connais la dimanche de Dieu volant, c'est pourquoi il s'est abaissé, il a quitté la gloire de la gloire jusqu'à Jésus pour verser son sang sur la croix pour pouvoir nous racheter. Amen. Et tout ça, c'est dans la prédication Christ et le mystère de Dieu révélé. Oui. Avoir la prééminence par ceci dans son Église, laquelle est son corps. Amen. L'épouse, jusqu'à ce qu'il puisse avoir la prééminence, donc l'autorité foule, sans partage. C'est lui. Le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Donc, il s'exprimait à travers nous, à travers l'Église. Et alors, tout ce qui était, et tout ce que Dieu était, il a déversé en Christ. Amen. Parce qu'il s'est vidé
et il a déversé en Christ. Et Christ était corporellement la plénitude de la divinité. Amen. Donc c'est que Christ, c'est le serviteur de Jéhovah. Christ, c'est le cœur de Dieu. Christ, il a versé tout en Christ. Christ, en tout cas Christ, si vous n'avez pas cette révélation, alors vous direz que Branham avait la plénitude. Et si vous mettez la plénitude en Branham, vous fauchez tous les plans de rédemption. Parce qu'il a décidé pour sauver, pour nous sauver, nous en tant que ses enfants, il devait devenir lui-même un homme. Et je crois, en faisant ça en détail, quand il a parlé de la loi après la loi, il a parlé de la poésie, l'histoire, l'histoire, enfin, il tombe sur les prophètes. Tout ça, c'est pour chercher à s'humilier, pour chercher à descendre. Tellement il était très élevé, très haut, pour devenir un homme, ça a pris du temps. Ça a pris du temps. Et tout ce qu'il faisait, c'est ce qu'on a lu, je crois, dimanche dans Romains, qu'il a pris un corps de chair, un corps semblable à celui du péché. Le corps de Jésus était un corps semblable à nos corps, mais lui avait une spécialité, il n'avait pas de papa, il n'avait pas de maman sur la terre. Donc il s'est formé un corps spécial dans le sein de Marie pour pouvoir former un sang qu'il va verser sur la croix. Et avant de voir de verser son sang sur la croix, dans l'Ancien Testament, ils utilisaient le sang des animaux. Il fallait qu'un innocent meure à la place de la personne qui est coupable. Jésus, en attendant Jésus venir, dans cet testament, c'était le type de tout ce que Jésus devait faire sur la terre, et alors il devrait avoir l'autorité suprême sur son Église. Quand on enlève Jésus à la tête de l'Église, alors ce n'est plus l'Église du Dieu vivant, ça devient quelque chose de faux. Donc, troisième dessein, il devait retourner dans sa position normale, le royaume qui était perdu par les péchés du premier Adam. Retournant là où il leur parlait et communiait avec eux. Dans le Eden, il descendait chaque soir, parlait avec ses enfants, il communiait avec eux. Il parlait, il s'exprimait, il le voyait. Mais quand le péché est venu, alors il n'y avait plus de relation entre lui et ses enfants. Donc maintenant, il devait retourner, nous devons retourner dans la position normale du péché, la suite par le péché du premier Adam. Le premier Adam a fauché le monde. Le premier Adam est venu avec les péchés, il a dérangé tous les plans de Dieu, et c'est pourquoi lui-même, quand il est venu, la Bible dit qu'il était le second et dernier Adam. Jésus était le second et dernier Adam, qui est venu redresser tout ce que le premier Adam avait perdu. Alors quand vous parlez du troisième Adam, ça n'a pas de place dans les plans de Dieu. Troisième Adam, le plan de Dieu devient faux. Et les constructeurs, vous qui habitez ici, vous savez l'importance des plans quand on construit un bâtiment. Nous, en Afrique, là-bas, on ne s'occupe pas des plans, on se fait ça n'importe comment. Ce sont des bicoques d'abord. Mais quand il y a un plan, vous devez suivre le plan tel qu'il a été conçu. Si vous ajoutez dans ce plan, il n'est plus le plan originel. Vous enlevez, il n'est plus le plan originel. Et vous devez respecter le plan. Dieu a voulu mettre la plénitude de toute la plénitude en Jésus, parce que c'est le corps qui pouvait contenir tout Dieu. Abraham n'a pas eu le temps de contenir tout Dieu. C'est pourquoi il s'est fatigué après le service. Il s'est fatigué, on le traînait, on l'a mené à la maison. Mais Jésus, lui, c'est le corps qui était conçu pour supporter toute la divinité. Et partout où il passait, je crois qu'on va voir cette image. Partout où il passait,
et que si vous le voyez, vous voyez le Père. Amen. Parce que le Père avait maintenant une forme. Et cette forme-là s'appelait Jésus. Amen. Et en tant que Jéhovah, il n'avait pas de forme, mais c'était un esprit. Et cet esprit est venu avec trois projets qu'il voulait réaliser à travers l'humanité entière. Dans les trois dessins, premier dessin, il voulait se faire voir, qu'on puisse le toucher, qu'on puisse habiter avec lui. Et c'est ce que Jean, premier chapitre, verset 18, dit. Jean, premier chapitre. Jean, chapitre 1er, je crois qu'on va lire ça le dimanche, comment il explique ça. Jean, 1er chapitre, verset 18. Personne n'a jamais vu le Père, personne n'a jamais vu Dieu, le Fils unique qui est dans le sein du Père et celui qui l'a fait connaître. Quand il a pris la forme, alors quand vous voyez Jésus, vous voyez son Père. Quand vous recevez le Fils, vous recevez son Père. Quand vous ne recevez pas son Fils, vous n'avez pas le Père non plus. Donc, tout ce que nous lisons de la Bible, c'est simple, et c'est bien écrit. S'il y a virgule, mettez virgule. S'il y a point, mettez point. S'il y a point virgule, mettez point virgule. Dieu a mis, même les temps qu'il a mis dans la Bible, sont des temps qui sont à des places. Tantôt il parle du passé, tantôt il parle du futur, tantôt il parle du présent. Et chaque chose est bien conçue dans le plan de Dieu. Amen. Et ici, il fait la synthèse de tous ces dessins. Il s'est manifesté lui-même en Jésus-Christ, venu dans le corps par Jésus-Christ, avoir la prééminence. Pourquoi? Restaurer l'Éden et ramener ce qui est perdu. Cela était l'unique chose qui était en désordre. Il n'y a que l'homme qui était en désordre. Le reste, la nature, c'est en ordre. Et tout le reste de ces choses était en ordre. Maintenant, le monde est perdu. Maintenant, il doit s'exprimer lui-même dans un homme pour devenir un sauveur, pour recevoir par la réconciliation du sang de sa croix. Maintenant, il devait devenir un homme pour mourir en vue de sauver et de retourner lui-même dans l'Église pour avoir la prééminence dans son Église. Je crois qu'on verra ça un peu en détail, que la prééminence maintenant l'Église n'est plus l'Église. Parce que pour Dieu, l'Église doit manifester la vie de Dieu sur la terre. Amen. Quand vous voyez l'Église, la vie que l'Église manifeste, c'est une vie qui est mondaine, une vie qui est charnelle, une vie qui n'a même pas de reflet, qui ne reflète même pas Dieu. Mais partout, on appelle ça des églises. Quand je passe ici, à Dallas, je vois church, partout, il y a beaucoup d'églises. Et ces églises-là, quand vous y allez, vous ne voyez pas Jésus. Vous voyez le fondateur. Vous voyez la nature du fondateur. Qu'est-ce qu'il voulait? Qu'est-ce qu'il cherchait? C'est ce qui se manifeste. Mais Dieu, quand il a conçu son plan, quand vous voyez l'église, vous voyez Jésus-Christ à l'œuvre. Amen. Vous voyez Jésus-Christ se manifester. Vous voyez Jésus-Christ dans les individus. Amen. Quel que soit l'âge. Quand vous recevez le Saint-Esprit, donc vous êtes dans le corps mystique de Jésus-Christ. Amen. Et dans Amen. Ce corps, il n'y a pas de désordre. Amen. Dans ce corps, il n'y a pas de mondanité. Amen. Dans ce corps, il y a la discipline. Amen. Dans ce corps, il y a l'amour. Amen. Dans ce corps, il y a la patience. Amen. Dans ce corps, il y a la justice. Amen. Et tout cela, Satan l'avait perverti. Parce qu'il voulait lui aussi avoir un royaume. Mais le seul royaume qui est visible, qui est palpable, c'est le royaume que Jésus-Christ est en train de rétablir sur la terre, pour, à travers les messages que nous suivons.
C'est un message qui est venu pour nous positionner, pour nous remettre sur le droit chemin. Amen. Mais ce message, on l'a mélangé avec des choses inutiles. Et c'est pourquoi vous ne voyez pas des choses qui peuvent attirer les gens à venir à Christ. Le pasteur Barouti, quand Dieu l'utilise, c'est pour redonner un peu la valeur du message que Dieu nous a envoyé. Amen. Parce que le message était vraiment dérangé, foutu, complètement foutu. On parle du message, on parle de Branham, tantôt lui-même Branham est Dieu, tantôt lui-même Branham est Jésus-Christ, tantôt lui-même Branham est le Messie, tantôt lui-même Branham. Donc tout est centré sur Branham. Ok, Branham dit, depuis que j'ai commencé mon ministère, je ne fais que magnifier le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Donc il y a Jésus qui doit être magnifié, qui doit être glorifié, qui doit être loué. Amen. Mais dans les églises, ils ont l'esprit de leur fondateur. Amen. Les Kimbanguistes ont l'esprit de Kimbangu. Les témoins de Jéhovah ont l'esprit de leur fondateur. Les musulmans, donc chacun là où se trouve, essaye d'inculquer son esprit à ceux qui l'écoutent. Et c'est ce qui est dans le message aussi la même chose. Il y en a, le prophète dit que Seigneur, ne permet pas que ceux qui m'écoutent reçoivent mon esprit. Mais qu'ils écoutent, qu'ils reçoivent ton esprit, toi, Amen. Le Seigneur des Seigneurs. Amen. Quand vous recevez le Saint-Esprit, mm-hmm. alors vous devenez différent des gens du monde. Yes. Ah, c'est vrai. Puisque je comprends ça dimanche, que notre vie, nous venons d'un endroit saint. Amen. Et en naissant sur la terre, à travers papa et maman, alors là, on a laissé une nature pécheresse. Une nature qui accepte toutes choses du monde. Une nature qui a le désir de ressembler à quelqu'un d'autre. Cette nature-là est charnelle. Quand Jésus était en contact avec Nicodème, voit que les deux étaient des docteurs. Mais en parlant, en causant, Jésus a essayé d'inculquer quelque chose d'abord de spirituel. Alors Nicodème était confondu. Et moi, un grand d'ailleurs comme ça, un costaud, comment puis-je renaître de nouveau, rentrer dans le sein de ma mère et renaître? Et Nicodème, lui, qu'il avait des pensées charnelles. Et Jésus avait des pensées spirituelles. Amen. Donc, Amen. Entre les deux pensées, physiques et charnelles, charnelles et spirituelles, il y a une grande différence. Et ça devrait se manifester. Vous qui êtes à Dallas, vous devrez être différent des habitants. Comment on appelle les habitants de Dallas? Comment on appelle les habitants de Dallas? Les Dallasois. Vous devez être différent des habitants de Dallas. Quand on voit même votre comportement, votre habillement, votre agissement, et ça doit refléter la personne qui est en vous. Amen. Si c'est le Saint-Esprit, alors ça ferait que vous devenez différent ou différente des femmes de Dallas, différent des hommes de Dallas, parce que l'esprit qui est en vous maintenant est l'esprit d'en haut. Amen. Maintenant, la difficulté, c'est que les gens confondent le désir charnel et le désir d'en haut. Il y a une confusion totale. Mais mettez-vous en tête que les trois desseins ici, Jésus voulait se manifester, voulait se faire voir, voulait se montrer à ses enfants. Et comment? C'est par la révélation. Amen. Quand Jésus se révèle à vous, alors il se fait voir à vous. Pourquoi il se fait voir à vous? Parce que vous accomplissez Jean 14. Et qu'est-ce que Jean 14 dit? Jean 14 dit, il faut d'abord aimer le Seigneur Jésus. Jean 14, verset... Jean 14, verset, à partir du verset
feinte. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi, et que je suis en vous. 21. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. C'est 20, 21. Donc d'abord, il faut aimer Jésus. Si vous ne l'aimez pas, le Père ne vous aimera pas. Et qui est le Père? Et le Père, c'est le grand esprit, l'être surnaturel qui était, je vais vous voir ça dimanche, c'est un peu compliqué, mais c'est simple. Si vous avez des pensées spirituelles, vous comprendrez ce que l'esprit dit à ceux qui sont spirituels, qui ont été dans la pensée de Dieu avant que rien ne soit créé. Amen. Ici, quand je suis entré ici le dimanche, on m'a fait visiter les chambres qui sont là. Moi, je ne connaissais pas, mais vous qui êtes de la place, vous savez qu'ici, c'est telle chose. Et même dans les plans spirituels, c'est la même chose. Si vous avez été dans la pensée de Dieu, quand Dieu parle à travers le message du temps de la fin, vous comprendrez. Amen. Parce que vous étiez dans Amen. Sa pensée. Amen. Avant que vous veniez ici Amen. À Dallas. Amen. Vous êtes d'abord là-bas, dans sa pensée. Et dans sa pensée-là, je crois... On va voir ça parce que dans sa pensée-là, il n'y avait que la pureté, il y avait un amour saint, une justice sainte, et tout ce qui était là était saint. Pas de haine, pas d'amertume, pas de jalousie, pas de convoitise, pas de vol, il n'y en avait pas. Ce sont des choses qui sont venues par le trichement de Lucifer pour pouvoir chercher à déranger le plan de Dieu. Déranger le plan de Dieu, c'est leur inculquer quelque chose. Vous pouvez haïr quelqu'un, vous trouvez ça normal. Or que pour Dieu, ce n'est pas normal. Surtout à la haine. La haine est du diable. Avec la haine, vous n'irez pas au ciel. Avec la haine, vous n'irez nulle part. Mais quand vous avez le Saint-Esprit, vous commencez à aimer même votre ennemi. Amen. Vous commencez à l'aimer. Amen. Vous commencez à le pardonner. Vous commencez à le supporter. Et si vous sentez que votre ennemi est à côté, vous commencez à vous fâcher, vous commencez à le minimiser, vous commencez à le ridiculiser. Cet œuvre-là, ce n'est pas l'œuvre du diable. Ce n'est pas l'œuvre de Dieu, c'est le diable. Amen. Et le diable a conquis le monde presque. Et c'est ce qui se passe dans le monde politique. Et la politique est tentée, même dans le message dans la fin. Parce que la haine, ça vient carrément du diable. Amen. Donc ça, les trois desseins, il voulait se faire montrer à ses enfants et il a accompli cela. Quand il s'est vidé en quittant de Jéhovah qu'il était, il se déverse en Christ. Alors Christ, c'est lui que Dieu a envoyé sur la terre, qui vient entrer dans un corps de chair qui doit naître par une vierge. Amen. C'est ce que Marie a fait. Marie n'était pas mariée, mais en recevant le message donné par l'ange Gabriel, elle a conçu et elle a enfanté un enfant appelé Jésus. Amen. Et Amen. Jésus, Jésus-Christ, c'est la personne que Dieu nous a envoyée pour nous racheter. Amen. Nous racheter totalement et complètement. Amen. Le rachat doit être complet et total. Amen. Il n'a rien laissé à la croix. C'est que je crois, Dieu voudra le peu de jours que nous serons ici, à Dallas, le peu de jours. Nous ferons ici à Dallas. Nous verrons ça un petit en détail, parce que si vous n'avez pas le désir de recevoir le Saint-Esprit, vous n'en aurez pas. Et plus si vous écoutez la parole de Dieu, le message de l'heure, plus vous devenez pire, vous devenez mauvais.
Donc quand vous venez à l'église, ne venez pas ngoulou ngoulou comme ça, comme on dit à Kinshasa, ngoulou ngoulou. Venez avec un désir. Amen. Je parle à l'église, que tu puisses me parler. Amen. Que tu puisses me transformer. Que tu puisses me changer. Amen. Que tu puisses me bon modeler. Amen. Si vous n'avez pas ce désir, vous écoutez la parole de Dieu, vous rentrez à la maison, vous commencez à haïr votre mari. Vous commencez à haïr votre femme. Vous commencez à haïr votre voisin. Donc il faut avoir un désir. Parce Amen. Que ce désir, c'est ce désir que Jéhovah avait dans sa grande pensée là. Il avait un désir de se faire voir à ses enfants. Amen. Et ceux qui veulent, qui peuvent voir Jésus, ont aussi un désir dans leur cœur. Amen. Lui avait ce désir, il s'est manifesté, il est venu naître sur la terre, et maintenant ceux qui étaient dans sa pensée ont aussi le même désir de voir Jésus, le même désir d'aimer Jésus, le même désir de louer Jésus, le même désir d'exalter Jésus. Amen. En faisant cela, automatiquement, sans que vous fassiez aucun effort, ce désir vous amènera à côté de Jésus qui est capable de vous transformer spirituellement. Amen. Et sans Amen. Cela, il n'y aura rien de bon. Donc les trois desseins sont accomplis et il les a confiés à son fils Jésus. Amen. Personne d'autre. Branham ne peut pas nous changer. Non, le dessin de Branham n'a pas de valeur. Parce que Branham avait son père, avait sa mère, qui était quelque part et ils ont conçu Branham. Mais Jésus, c'est tout à fait spécial. Amen. Marie a parlé avec l'ange, l'ange Gabriel. Et Marie s'est étonnée, mais comment cela fait-il? Moi, je ne suis pas mariée. Ne vous en faites pas. Et celui qui m'a envoyé m'a dit seulement de croire ce que je vous dis. Amen. Croyez seulement et la suite lui-même le fera. Amen. Amen. Car le Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Amen. Marie avait accepté. Amen. Et avait conçu. Et l'enfant qu'elle a conçu, c'est l'enfant parole. Amen. Cet enfant parole, c'est Jésus qui est venu, dans la chair pour nous racheter. Amen. Pour compatir à nos malheurs, pour compatir à nos misères. Amen. Il a su comment nous souffrons. Amen. Et que sans, si je ne m'en vais pas, vous ne serez pas bien. Mais il est avantageux que je m'en aille. Amen. Tel que vous me voyez ici, personne ne peut faire quelque chose. Amen. Que je m'en aille. Amen. Je m'en irai. Je ne vous laisserai pas en faire. Amen. Et je reviendrai. Amen. Je serai avec vous et même en vous. Amen. Le jour de Pentecôte, il est revenu. C'est vrai. Depuis ce jour-là, il n'est plus rentré. Amen. Il est à la recherche des âmes prédestinées à recevoir le Saint-Esprit. Amen. Il les connaît. Qui que vous soyez, Dieu vous connaît, vous apprenez avant que rien ne soit créé. Amen. Donc, pour voir le Père, il faut passer par Jésus. Amen. Vous ne devez pas Jésus, vous ne devez pas le Père. Amen. Le Père, c'est celui, je crois, on va lire ça le dimanche dans le Proverbe, le Père qui était là au commencement, c'est lui qui avait tout conçu. Qui a conçu tout son plan, Amen. Tout son programme. Amen. N'ajoutez rien, ne retachez rien. Amen. Vous ajoutez, Dieu vous écarte de la course. Vous retranchez, il vous écarte de la course. C'est pourquoi n'avalez pas tout ce qu'on a compris, n'avalez pas toutes choses. Il faut prendre votre vie au sérieux. Amen. Satan ne fait que nous distraire. Quand vous commencez à vous chamailler, c'est Satan qui est là pour chercher à vous écarter de Dieu. Amen. Quand vous haïssez quelqu'un, Satan est en scène pour que vous puissiez vous écarter de Dieu. Amen. Mais l'amour supporte. Amen. L'amour accepte. Amen. L'amour pardonne. Amen. Et cet amour-là,
ne vient pas de l'homme, non, mais ça vient de Dieu. Amen. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Amen. Pour que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Il passe de la mort à la vie. Amen. Et la vie n'est autre chose que Dieu lui-même. Amen. Amen. Une vie qui n'a pas de fin, qui n'a pas de, fin, qui n'a pas de commencement. Amen. C'est cette vie-là qui entre en vous, qui entre en moi. Amen. Quand ça entre là-bas, ça doit vous transformer de jour en jour. Amen. Si ça ne vous transforme pas, ça ce n'est pas la vie éternelle. Amen. Et la vie qui était en Jésus, c'est ce qu'on appelle la vie éternelle. Amen. Pour avoir cette vie éternelle, vous devez vous humilier, vous devez accepter Jésus comme votre sauveur et ensuite il doit être votre Seigneur. Amen. Pour vous donner des ordres, pour vous protéger, pour vous assister, pour vous transformer, pour vous pardonner. Amen. Sans Jésus, rien de bon ne se fera. Amen. Donc les trois desseins sont vraiment accomplis à la lettre. Les trois desseins. Jésus veut être le maître de votre corps. Amen. Amen. Vous avez fait ce corps, ce que vous vouliez. Mais maintenant, Jésus veut prendre votre corps et l'utiliser. Amen. On a bu la bière, on a fumé, on a volé, on fait ce corps n'importe comment, mais ce corps ne nous appartient pas. Amen. Ce corps devait appartenir à notre Seigneur Jésus. Amen. C'est ce qu'il dit dans les Romains. Ce corps, nous voulons l'offrir à Dieu jour et nuit. Ce n'est pas notre corps. C'est son corps qui nous a prêté pour que lui puisse l'utiliser, puisse faire de ce corps ce qu'il veut. Romains, je crois que c'est Romains 12. Ok, Romains 12. Premier verset, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Deux, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Donc ce corps doit être le temple de Dieu. Amen. Parce qu'il a racheté de son précieux sang. Si vous connaissez ces petites choses-là, alors vous commencerez à prendre votre vie au sérieux. On doit prendre sa vie au sérieux. Amen. Prendre sa vie au sérieux. C'est pas facile, mais c'est une vie. Quand Jésus l'a racheté, il savait qu'il doit souffrir. Amen. Lui qui n'a rien fait, qui n'a rien fait de mal, on l'a désévalué, un grand garçon, bientôt, nu à la croix, exposé, nu, même pas un caleçon. On met ça par pudeur, sinon on l'a exposé nu. C'est-à-dire qu'il a dépouillé les péchés qui nous envahissaient, il a dépouillé. Amen. Et les péchés étaient devenus nus, donc sans force. Et quand vous confiez votre corps en Jésus, à tout moment, Seigneur, je me confie en toi, transforme-moi, Seigneur, façonne-moi, Amen. Seigneur, fortifie-moi, Seigneur, conduis-moi dans toute la vérité. Quand vous faites ça, vous avez ces pensées à tout moment, alors Dieu est en train de s'occuper de vous. Amen. Il s'occupe de vous. Amen. Pas automatiquement, mais il est en train de faire ça lentement et sûrement. Amen. Et je crois, c'est le peu qu'on a vu ce soir, les trois desseins, Dieu les a accomplis et il a gardé ça secret. Et aujourd'hui, la Bible dit, quand Jésus s'est exclamé un jour, je te loue, Père, je sais que tu as gardé ces choses aux sages et aux intelligents. Ils ne peuvent pas savoir ça. Ils ont étudié, mais ils ne peuvent pas comprendre ça. C'est réservé aux enfants qui étaient dans sa pensée. Amen. Amen. Amen.
Et nous, quand nous aimons Jésus, quand nous le louons, quand nous le louons, nous l'exaltons, alors en même temps, Jésus ouvre la voie que nous puissions connaître notre Père. Amen. Et notre Père a tant aimé le monde. Nous a confié, nous a donné son Fils unique. Et ce Fils unique, quand Philippe a dit, Seigneur, montre-nous le Père. Dit Philippe, toi, depuis que je suis avec vous, toi, Philippe, ne me connais pas. Celui qui me voit, voit le Père. Amen. Amen. Le Père est à moi. Et moi, je suis dans le Père. Amen. Et le Père, c'est le grand Jéhovah, le grand être. Le grand être, ce qu'on va voir. Le grand être là, c'est l'Esprit qui s'est abaissé en entrant dans le corps, le Logos, qui s'est détaché de lui. Alors, il est entré. C'est pourquoi Jésus disait, je ne fais rien sans que mon Père me le montre d'abord. Bon, son Père était à l'intérieur. Amen. Le corps, c'est le temple où habitait Dieu. Et vous et moi, c'est un corps qui ne peut pas supporter, qui ne peut pas contenir tout Dieu, c'est impossible. Parce que nous sommes nés dans le péché. Nous sommes nés dans le péché. Sauf Jésus, qui avait un corps spécial. Il est venu sur la terre sans le contact d'un homme avec une femme. C'était un corps spécial. C'est pour que ça puisse nous donner le sang qui va nous racheter à la croix. Amen. Et a-t-il accompli son dessein? Oui, il a accompli son dessein. Amen. Avant de mourir à la croix, il avait dit, Père, tout est accompli. Amen. Amen. Tout est accompli. Tout le programme est accompli. Alors, quand vous les mettez en branle, c'est que Dieu vous écarte automatiquement. Même si vous prêchez puissamment, même si vous faites des miracles, sans Jésus, alors là, Dieu vous a écarté sans le savoir. N'ajoutez rien, ne retranchez rien. Amen. Croyez la parole telle qu'elle est écrite. Amen. Si vous la dérangez, Dieu vous écarte. Et à travers le monde, beaucoup de pasteurs sont déjà hors circuit. Ils sont écartés parce qu'ils ajoutent. Ils sont déjà enlevés. Ce sont des ajouts. Oui. Les prêtres en Branham, ce sont des ajouts. Les morts en Christ sont déjà ressuscités. Ce sont des ajouts. Quand vous faites ça, et vous qui les prêchez, et ceux qui croient cela, ils sont écartés d'office. C'est compliqué. Vous avez une puissance, mais quand il y a des gardes, vous n'êtes pas dans son programme. Vous êtes dans son programme, vous devez obéir à la parole de Dieu. Amen. Parce qu'il dit que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Amen. L'obéissance à la parole de Dieu vaut mieux que les sacrifices. Vous vous sacrifiez, faites des travaux, des grands travaux, mais si vous n'obéissez pas au plan de Dieu, là, Dieu vous a déjà écarté sans que vous le sachiez. Et je crois que je peux m'arrêter ici. Les trois desseins, c'est qu'on va voir demain, les trois desseins que Dieu a accomplis pour un but. Il n'a pas utilisé nos grands-pères. Oh, grand-père Moulouba, grand-père Moukongo, non, il n'a pas pris ça. Oh, grand-père Moussoïli, non, il n'a pas pris Moussoïli. Il a pris, il est venu lui-même. On a vu ce dimanche dans Romain. Il est venu lui-même. Prendre le corps qui a la forme du corps qui avait péché. Et Adam et Ève avaient des corps comme nous avons. Ils avaient deux yeux, ils avaient deux oreilles, ils avaient une bouche, ils avaient un nez. Quand vous voyez quelqu'un avec trois yeux, ce n'est pas normal. C'est ça. Quelqu'un avec deux têtes, ça ne tiendra pas. Quelqu'un avec trois oreilles, vous direz que ça, ce n'est pas un homme. Oui. Dans son plan, des oreilles, des yeux, un nez, une bouche. À quelque chose, il y avait quelqu'un qui avait donné un fils qui avait deux têtes, mais il n'a pas vécu longtemps. Un enfant avec deux têtes. Ce qui m'a maintenant de tout le monde. C'est où il y a voulu aboyer. Et aucun autre. Alors moi, je vais me quitter. Même pas un an, il est mort. Deux têtes. Et c'est Petré qui avait cet enfant, on était. À l'école primaire, on était dans une même école, même classe. Même classe, c'était un monde libre. À Baltimore, on a mis tous mes bannes. Ils ont gâté.
Il est une seule tête. Amen. Et c'est que dans son église aussi, il faut une tête. C'est ça. Amen. Ma tête, c'est Jésus-Christ. Amen. Quand vous mettez Jésus et Abraham, moi, l'amour, comment est-ce qu'on dit ça? Elima. Elima. Deux têtes, Abraham, Jésus. Ensemble, c'est Elima aussi ma tête. Et quand t'es Abraham, laisse Jésus. Amen. Donc c'est lui qui est la tête. Amen. C'est ça. C'est lui qui doit diriger son église. Amen. C'est lui qui doit donner des ordres à son église. Mm-hmm. Parce qu'il a versé son sang à la croix sans les commandes de quelqu'un d'autre. Mm-hmm. Alors il m'a arrêté un disciple qui était à côté, mais il n'a même pas fait un pas. Et l'autre m'a arrêté, il s'est détaché à Kini Bolumbu, il a mis dans mon coup. Parce que il y a quoi ça, c'est à Kini. Il est sorti nu. Parce que Jésus, quand il souffrait seul. Amen. Il nous voyait, nous tous, entre les mains du diable. Et le diable n'a pas de puissance pour nous tenir, nous retenir dans son camp. Jésus a tout fait et la victoire de Jésus, c'est notre victoire ce soir. Amen. La victoire de Jésus, nous sommes dans la victoire. Amen. Et nous marchons dans la victoire. Amen. Parce que la victoire de Jésus à la croix, cette victoire est encore valable aujourd'hui. C'est ça. Amen. Valable à ceux qui l'aiment, à ceux qui l'attendent. Mm. Pour vous, il est déjà venu, alors il ne se ferait pas voir à vous. Il est déjà venu, il n'est pas encore venu, nous l'attendons. Amen. Nous l'attendons et nous nous préparons pour ça. Amen. Je crois que le samedi, quand vous étiez à l'aéroport là-bas, vous m'attendiez, parce que vous m'aimiez, vous m'attendiez. Ceux qui ne m'aimaient pas, ils ne sont pas venus. C'est ça. Mais vous m'attendiez, vous êtes trouvé à l'aéroport, on s'est embrassé. La même chose dans le spirituel, c'est qui aime Jésus, qui l'attend. Amen. Ce sont ceux qui se préparent pour sa venue. Amen. Il n'est pas encore là. Il viendra comme un voleur. Mais nous préparons au jour le jour pour qu'il vienne la nuit, qu'il vienne le jour, qu'il puisse nous trouver dans sa parole. Et c'est ça la meilleure position. Amen. Aimez-vous les uns les autres, n'haïssez personne. Quand vous commencez à haïr quelqu'un, chassez ce démon-là. Oui. La haine vient du diable. C'est ça. La haine vient du diable. Et si tous les secteurs de Dieu, que Dieu a établi, vous les haïssez, vous mettez les doigts dans l'œil vous-même. Parce qu'il dit, touchez pas à mes oins. Ne touchez pas à mes oins. Il dit à ceux qu'il a connus avant que rien ne soit créé. Je crois que j'ai parlé aux enfants qui aiment Jésus, aux enfants qui attendent Jésus, aux enfants qui adorent Jésus, aux enfants qui exaltent Jésus, aux enfants qui magnifient Jésus, et partout se trouve Jésus dans leur tête. Pas quelqu'un d'autre. Amen. Je crois que je m'arrête là, que Dieu vous bénisse. Amen. 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 Amen.